J'ai choisi le métier de commercial puisque déjà étant depuis toujours je suis très bavarde et c'est un métier qui est axé sur, beaucoup sur le relationnel et donc ce qui me permet d'être en contact tout le temps avec les clients, les particuliers, les pros et donc de pouvoir continuer à parler. Quel cursus as-tu réalisé pour devenir commercial? J'ai fait mon bac pro vente au Borsmeur à Morlaix, donc bac pro vente en 3 ans. Donc c'est vraiment là où j'ai appris toutes mes bases de vente et donc j'ai poursuivi avec un BTS NRC, donc toujours dans le métier de commercial. Pourquoi être commercial dans une salle de sport et pas plutôt dans une concession ou quelque chose d'autre? Je faisais être commercial dans le métier du sport puisque c'est un marché en pleine expansion et que c'est vrai que maintenant pour le français c'est important d'être jeune et dynamique et de faire du sport. Je pense que dans les prochaines années ce sera un marché qui va continuer à croître et j'ai choisi ce métier-là puisque c'est quelque chose qui est, c'est un domaine qui est dynamique comme mon tempérament. Donc voilà. C'est quoi ta journée type? Je n'ai pas forcément de journée type dans le sens où je touche vraiment à tout. Donc le matin, je vais commencer par faire le ménage de la salle, vraiment nettoyer les machines, nettoyer le sol, faire vraiment le tour pour que les clients, quand ils arrivent, ça soit propre. Ensuite, je vais regarder mes mails, si je n'ai pas des mails, s'il faut que je réponde à mes mails. Je vais faire un peu de relance téléphonique, c'est pour les personnes qui sont venues une semaine ou 15 jours auparavant. Pour les inviter à faire une séance d'essai à la salle. Je vais contacter aussi les pros, donc les démarchés, pour les inviter, donc pour que les salariés puissent avoir des tarifs préférentiels chez nous. Je vais faire un peu de relationnel, voir les adhérents, savoir comment ça se passe, s'ils sont en perte de poids, s'ils ont atteint leurs objectifs, si l'entraînement se passe bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Je touche vraiment à tout. Je vais faire un peu de communication. J'ai pas vraiment de journée type, ça change. Est-ce que tu as un autre projet après par exemple être commercial? Vraiment autre chose que dans le commerce? Je resterai dans le commercial, ça c'est sûr et certain. Je ne changerai pas de domaine. J'adore mon métier, j'adore être en contact de mes adhérents. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. À terme, peut-être ouvrir une salle de sport avec l'expérience que je vais acquérir ici. À mon compte à moi, oui.